Eh ouais. Regarde ça, la beauté un petit peu. Tu peux voir les anciennes ruines là-bas, au fond, construites avec des pierres énormes. Et tu peux aussi voir ça. Pourquoi tu crois que je mets mes pieds comme ça? Pourquoi tu crois que je fais des randonnées et que je me connecte à la terre? C'est non seulement pour recevoir les enseignements de chaque terre où je vais, mais en plus c'est pour décharger les anciennes énergies que j'ai en moi et me recharger de nouvelles énergies. Donc c'est pas juste marcher pieds nus comme un hippie, c'est, je vais pas dire une technique scientifique, mais c'est plus pour dire que ça c'est une technique puissante pour te recharger quand tu sens que tu es fatigué, quand tu sens que tu as passé trop de temps sur l'ordi, quand tu sens que tu es un petit peu fatigué en général, ton système nerveux il est un petit peu chaotique. Tout ça, ça permet de recentrer tes énergies, de laisser ce qui ne te sert plus et de prendre ce qui te sert et ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire de l'énergie propre, de l'énergie saine, de l'énergie qui est chargée spirituellement aussi, parce que là je suis sur des ruines anciennes Incas, c'est-à-dire qu'il y avait la prière, il y avait des mantras qui étaient répétés. Donc tout ça, c'est des terres qui sont chargées énergétiquement. Donc à chaque fois que je voyage quelque part, eh ben, je sors mes pieds et je les connecte à la terre de là où je suis. Et ça m'aide énormément à me connecter avec la culture locale et en plus à me recharger. Regarde ça comme c'est beau. Et ça, tu peux le faire partout, dans les parcs. Moi, je vais énormément dans les parcs. Quand j'étais à Lyon, j'allais au parc et je sortais mes pieds.